Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une méthode simple et rapide afin de créer un halo lumineux autour d'un personnage dans une photo. C'est une méthode assez simple avec laquelle on va se servir des courbes, d'un outil dégradé. Cela va nous permettre de créer un petit halo lumineux derrière. Vraiment très sympathique si vous n'avez pas pu éclairer le fond, si vous voulez améliorer un peu votre photo en post-prod. Pour ceci, nous allons directement travailler sur Photoshop. Je passe les étapes de développement de la photo et nous allons arriver à cette image-ci. Le but va être tout simplement de créer un halo lumineux derrière ce personnage. Hop, qui prendra tout cet espace-là, qui permettra en fait de détacher le personnage tout simplement du fond pour lui donner un peu de relief. Ça améliorera nettement la qualité de la photo. Pour ceci, nous allons travailler avec l'outil courbe, masque de fusion et l'outil de dégradé ici. Donc, à partir de là, nous allons prendre l'outil courbe. Nous allons faire une légère courbe, comme ceci, afin, vous voyez, d'éclairer légèrement derrière. Pour ceci, hop, je vais le mettre dans un groupe. Et dans ce groupe, je vais commencer par délimiter le tour du personnage. Pour ceci, je mets un masque de fusion que je laisse en blanc, pardon, et je vais peindre en noir toutes les parties que je ne veux pas voir touchées par le halo lumineux. Je vais prendre mon pinceau, la couleur noire, je vais légèrement quand même agrandir le rayon dans un premier temps pour aller plus vite, et je vais passer sur le personnage comme ceci. Voilà. Je suis à 40 d'opacité, ce qui permet aussi d'aller beaucoup plus vite et de ne pas avoir à repasser 10 fois sur chaque chose. Je vais chercher mes couches afin de pouvoir faire apparaître, hop, pardon, afin de pouvoir faire apparaître les contours et voir là où je suis passé. Je vais réduire ma brush, zoomer dans la photo pour pouvoir passer autour sur la main par exemple. Alors cette partie-là, vous pouvez la faire plus ou moins grossièrement, car on pourra toujours y revenir dessus, peaufiner les petits détails. Alors pour réduire la broche, vous appuyez sur Alt et clic droit, et ça réduit la taille de la broche. Voilà. Là, on fait les contours. Du personnage, on peut revenir en arrière pour voir là où on n'est pas passé. On agrandit un peu la taille de la broche. On repasse sur les contours. Voilà. On va faire maintenant les contours du visage et des cheveux, comme ceci. Si on a dépassé, c'est pas grave, on revient, on inverse la couleur en passant blanc avec la touche X et on va repasser hop sur les contours des doigts, afin d'améliorer notre tracé. Voilà. On va passer un petit coup sur les boucles d'oreilles aussi. Voyez, vous pouvez de toute manière aller très très vite, dans le sens où après, en changeant la couleur, vous pouvez facilement passer sur l'autre côté. Hop.
on change, on passe en noir, on fait la boucle d'oreille, on repasse en blanc, et vous voyez, beaucoup plus facile de tracer le côté de la boucle d'oreille. On va repasser en douceur sur les oreilles, on va améliorer le contour au niveau des cheveux. Voilà. Là, vous pouvez passer à 100% pour repasser légèrement sur le visage, sur les gros espaces, pour être sûr d'être passé bien partout comme il faut. Vous voyez, là, il y a des petites parties que j'avais oubliées. Là. Hop. Si le halo lumineux n'est pas parfait, comme je vous ai dit, on pourra toujours revenir dessus pour le retravailler sur ce masque de fusion, ou on pourra aussi le travailler sur l'autre. Le problème, c'est comme c'est un halo lumineux, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation derrière noir, bien sûr, mais il faut aussi qu'il soit léger. Donc s'il n'est pas réellement précis, ce n'est pas un problème. Une fois que le contour du personnage est fait sur la partie masque de fusion du groupe, on va pouvoir réactiver le calque courbe. Vous voyez déjà que le personnage n'est plus affecté par la courbe qu'on a mis derrière. Maintenant, afin de créer un halo lumineux derrière, nous allons nous servir de l'outil dégradé. Nous allons le sélectionner. Donc si vous êtes comme ça avec le pot de peinture, vous faites un clic droit, vous sélectionnez outil dégradé. Et maintenant, vous voyez en haut, on a plusieurs outils dégradés proposés déjà. Donc celui-là, hop, pardon. Je me mets bien sur le masque, celui-là qui donne un dégradé de haut en bas ou de bas en haut, comme on veut. On a celui-ci, vous voyez, qui donne un aspect un peu différent. On a celui qui sépare en deux, qui fait du clair au-dessus, du clair en dessous. Comme vous pouvez voir, vous le voyez là sur le masque. Hop, qu'on fait apparaître le noir, comme vous savez, c'est là où ça n'agit pas. Et on a un dégradé de gris jusqu'au blanc, au-dessus et au-dessous. Et on a, hop, celui-là aussi, qui donne un halo de cette forme-là. Nous, celui qui va nous intéresser pour faire un esprit un peu éclairage de fond qu'on n'a pas fait, parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas ou parce qu'on a oublié lors de la prise de vue, c'est celui-ci, celui qui fait un rond. Nous allons sélectionner la partie qui fait un rond. Nous allons mettre la couleur blanche en premier plan, et nous allons tout bêtement pointer soit le centre de la photo et tirer un trait, ou alors entre les yeux, vers le haut ou vers le bas, selon ce qui vous semble pour vous le mieux. Vous pouvez même reculer votre photo afin de pouvoir faire un grand halo. Vous voyez, voilà. Le but du trait, et en fait, va vous donner la taille du dégradé. Je vous montre le masque. Voilà. Vous faites un petit trait, vous avez un petit dégradé. Vous voyez, on va de là à là. Hop, et ça donne un dégradé. Plus vous agrandissez, plus le dégradé sera important. On revient sur la photo. Donc là, à vous de juger. Moi, j'irai à peu près jusque là, ce qui donne un petit, même peut-être un peu moins. Un peu plus quand même. Allez, encore à peine un peu plus. Voilà, je vous le montre. Le masque de fusion, ça donne ceci. Si vous voyez que vous ne l'avez pas tout à fait centré, rien ne vous empêche de travailler à partir de là, de reprendre votre outil dégradé et de refaire le dégradé. Voilà, par exemple. Avant, après. Vous voyez,
je trouve que c'est pas trop mal. Rien ne vous empêche maintenant d'aller dans la courbe, d'augmenter ou de baisser. Voilà. Parfait. Pour moi, le rond est correct. Ça permet de dégager un peu le personnage du fond sans forcément avoir l'impression que ça a été fait en post-prod. On voit que ça altère pas trop le contour. Là, de toute manière, rien ne vous empêche après de revenir sur ce masque, de voir ce que ça donne et de dire tiens, je pourrais corriger un peu les mains, les boucles d'oreilles, corriger la suite. Ça, c'est vraiment un travail de finition qu'il faut faire après en douceur. Prendre le temps vraiment de bien détourer le personnage, de le mettre dans un groupe et de faire les choses avec du temps et de la patience. La retouche ne sera parfaite, ne sera vraiment nickel que si vous prenez du temps, je le répète à chaque fois, mais la retouche c'est du temps. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire des choses, d'améliorer, de corriger, mais il faut y passer un maximum de temps. Donc une fois que nous avons créé le halo lumineux derrière, rien ne nous empêche après par exemple d'ajouter de la couleur, d'ajouter autre chose. Il y a une méthode pour ça qui est très simple en fait, qui est de créer un autre groupe qu'on va mettre dans le groupe. Là, de prendre simplement le masque de fusion et de l'appliquer au groupe. De mettre le reste dans le groupe. Et vous voyez, c'était comme avant. On a exactement le même effet lumineux derrière. En fait, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans ce groupe, appliquer d'autres filtres, d'autres calques, pardon, pour pouvoir modifier un peu la couleur, soit rajouter carrément un peu plus de peps, de lumière. Hop, par exemple, on rajoute une courbe, on réaugmente légèrement, ou on baisse, enfin, on peut faire réellement ce qu'on veut, et ça n'aura d'influence que sur la partie de ce groupe où le masque de fusion a le disque lumineux. Par exemple, on va réouvrir cette courbe, prendre les rouges, augmenter les rouges, baisser légèrement les bleus, les verts, hop, et voilà, on a derrière un point lumineux jaune. Vous voyez que là, il faudrait corriger un peu la main, pas de souci. Ça, c'est la partie du contour, je vous disais, qu'il faut vraiment travailler avec précision. Si vous voulez un rendu vraiment parfait, vous voyez, là, hop, il faut faire le contour beaucoup plus précis. Il faut un contour vraiment, vraiment beaucoup plus précis, un détourage parfait pour pas qu'il y ait toutes ces petites choses qui apparaissent. Voilà, pour que ça se fonde parfaitement avec le corps. Comme ceci. Voilà. J'y passerai pas non plus là des heures parce que je vous ai déjà expliqué comment faire un détourage et que simplement c'est une question de temps qu'il vaut mieux prendre dès le départ. Car une fois que vous avez ceci dans un groupe, rien ne vous empêche de le copier, de le déplacer, d'en faire ce que vous voulez. Une fois que ce travail est fait, il est fait pour toute la photo. Il n'est pas fait exclusivement pour ces masques-là. Ce qui permet après de s'en servir à bon escient et sans souci. Là, je vous fais une démonstration rapide de l'outil dégradé et de comment on déplace un masque sur un groupe pour pouvoir appliquer des tas de choses derrière. Maintenant, c'était un exemple, on peut améliorer les choses et travailler différemment. Mais en tout cas, si vous voulez un simple halo lumineux derrière votre personnage, chose que vous n'avez pas pu faire à la prise de vue car vous n'avez pas le matériel ou autre, voilà comment on le fait. On crée un groupe, on détoure le personnage avec patience et beaucoup, beaucoup mieux que ceci. Après, dans un autre groupe, on applique l'outil dégradé que vous trouverez là ou sous un clic droit si vous avez le pot de peinture. Et en sélectionnant le rond là, vous tracez un trait et vous redessinez votre disque comme vous l'entendez. Et bien sûr, il n'aura d'impact que sur le blanc et sur le dégradé de gris. Sur le noir, ils n'auront aucun impact.
Voilà le petit tuto sur le halo lumineux qu'on n'a pas pu faire pendant la prise de vue ou qu'on a oublié et qu'on a fait en post-production. Maintenant, j'espère que ce tuto vous aura guidé sur comment remanipuler les masques de fusion, l'outil dégradé qui se trouve sous le pot de peinture et comment ajouter un petit côté fun, une petite amélioration à votre photo. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions, vous êtes déjà pas mal à le faire et c'est très bien. N'hésitez pas non plus à me demander telle ou telle orientation pour les tutos, ça sera avec plaisir. A bientôt, amusez-vous et à vos tablettes. N'hésitez pas surtout à partager mes vidéos, à liker ma page, vous aurez tout dans le descriptif. Et puis, à bientôt et merci encore de me suivre.